Ça va, mes petits padawans. Oh, je m'exerce un petit peu. Là. Je ne voulais pas m'échauffer les... la voix, mais... mais les doigts. Tout le monde est en forme. Prêt à rien faire pendant une heure. Hop, je range tout ça. Qu'est-ce qu'on a Un programme chargé, comme d'hab. Je balance mes cartes. Purée, mais on me voit en plan super large. Qu'est-ce qui se passe Il hein faut que je rapproche un peu. Là. Tant pis. Je vais faire une petite manie de mes padawans. Yeah. Allez, je vous rapproche de moi là. Est-ce que là, c'est pas, ouais, pas mal. Ouais, c'est je... pas ouais, mal. Il faudrait que j'essaie de rapprocher encore un petit chou, de bougez pas. Voilà, je vais me manger ma bon, petite table dans les jambes. On va être bien, mes padawan. Alors... C'est un bordel, mes petits. Oh. Bon, tout le monde est en forme? Allez, je vais aller regarder qui est arrivé en tête. Notre <laughs> premier du tiercé, mon, petit, mon cher Claude Carouget. Oh là là, magnifique, toujours là à l'heure. À midi h 17 mais pas Début du live, 14 h midi 12h17. Il est là. Alors, comment vous, comment vous allez pouvoir faire si vous voulez le battre Parce que là, il est très, très fort. Et eh ben, À mon avis, c'est parce que vous ne partagez pas. Enfin, non, pas, pas vous partagez pas. Mais vous cliquez pas sur la cloche. Là, sur la vidéo, faut cliquer sur la cloche, être alerté dès que je poste. Voilà, c'est son secret. Je vous invite évidemment, et je passe tout de suite mon premier big up avant de démarrer. Hein. Mais il nous a écrit un super poème, là, en début. Donc, vous me regardez les tout premiers commentaires. Euh, il y a un super poème. Je big up immédiatement. Alors, ah, j'avais dit Claude Carouget. Euh, en deuxième position, Mariella Darcy. Aïe, aïe, aïe qui ne peut pas rester. Alors, Mariella, Marie pardon puisque tu ne peux pas rester, tu dois bosser. Et il y en a d'autres, je crois, qui doivent bosser. Donc pour toi, Mariela, euh, pour Cyril aussi, euh... ah, qui est au boulot, bon, Cyril M77, le petit écouteur en scred. <laughs> euh, je... Ah, Audrey, là, bienvenue à toi. J'en ai vu un autre, là, qui ne pouvait plus rester. Oh, je ne le trouve plus. Ben Crochet, je crois. Voilà, mon Ben. Et eh bien pour vous, pour mes... Auditeurs de replay, je vous passe le bonjour, de bonjour. Peut-être un eux aussi qui nous regarde souvent un peu plus tard. Et puis pour ceux qui sont sur le podcast, vous êtes là, le podcast. Et ben voilà, je vous passe la petite dédicace de bienvenue. Voilà, Nordeur. De... Ah ben tiens, Nordeur, hein, il arrive à taper en étant au boulot. Ah, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ah, C'est notre 40 40e jour de live. Oh là là, on va fêter ça, mes pas 40 e jour de live. Ah, oh, j'ai le choix au niveau de la boisson. Alors évidemment, tout ça va être ouvert avec notre fameux relief pitch que je repose sur le petit bout d'ordi qui est visible ici, magnifique. Ah, oh, j'ai l'excellent Coca bouteille avec lequel on a tenu beaucoup de journées de live qui est à ma disposition. J'ai ici un incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a Boisson gazeuse aromatisée saveur citron, produit de France. Oh, je vous le mets là. Voilà, on est, on est sponsor. Hein. Donc, on a du « Made in USA », on a du « Made in France euh, ». Voilà, une petite citronade gazeuse, une limonade citron. Et évidemment, j'ai euh, ma petite Madeleine de Proust, hein. mon fameux Liptonic. Alors, qu'est-ce que je fais Mon cœur balance. Vous avez l'idée idée, là, les Mettez-moi ça en commentaire. Alors, qu'est-ce que je vais, je vais devoir ouvrir avec mon relief Le coca-bouteille avec ses incroyables bulles qui me rappellent aussi Madagascar. Le petit « Made in France » citron gazeux. Attention, hein, de, de ce choix va dépendre de la qualité de votre live. Mais Padawan, vous avez cru quoi là qu'on faisait ça pour le fun ou quoi là, Attention, là, je, je choisis mon carburant ou oh, mon incroyable Lipto. Allez, je vous ai donné. Ah, il y, y a des fans du coca-bouteille. Ah oh, là là, Thomas, limonade, citron. <laughs> Big up à Air. Où est J-Swing Ils ne sont pas là, J-Swing. Qu'est-ce qui se passe Ça doit bosser. Ah, peut-être que ça prépare l'ouverture. Hein. On n'oublie pas, mes Padawan, le jeu J-Swing. Ça matrice pour les autres boissons, mais je vous l'ai dit. C'est en voie d'extinction le liptonique. Alors, moi, je vais attaquer le liptonique. Ah, liptonique gagnant pour aujourd'hui. Je vais me les boire, hein, les autres. Hein. Allez, c'est parti, la fameuse séquence. Attention, je fous mon ordi en danger. Oh. Voilà, tu as en plus, ce lipto, là, il n'y a pas besoin de secouer. Quoique, bon, aucune des boissons n'était à secouer. Bon, bah vous le savez qu'à partir du moment où je vais m'envoyer cette petite rasade, eh bien, on va passer en quatrième vitesse sur notre thème de la journée. Ah, pourquoi je balance mon Relève Pitch mon Relève Pitch toujours à portée de main. Excusez-moi, le Padawan fait le con, mais Relève Pitch à portée de main. Je pousse un peu mes boissons, j'ai de ma place. Allez, attention, la hein, quatrième dimension va démarrer. Oh, bien frais, magnifique. Pouh, bon, bah, allez, moi je vais attendre là une heure. Hein, puisque, de toute façon, à rien faire, vous verrez, vous allez progresser. Donc, on est tranquille, on est bien. Hmm. J'ai pas vu Catherine, dites donc, Et doit bosser. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Ah, Igor est là, Fabien Colas est là. On a du pré-Jedi et du Jedi en ligne. Le Sum. ah, il est là, 8h. Bonjour, on sum. 8h, 8h5, je dirais, là, il doit être chez toi. Ah, Catherine est là, me voilà. Bon, bah écoutez, l'équipe de choc, vous êtes là. On va pouvoir attaquer. French Lefty là Bienvenue à toi, mon French Lefty Il euh, faut que j'aille voir, je crois, tu as posté une vidéo, un petit questionnaire. Il faut que j'aille voir ça. Hein. Euh, J'ai peut-être déjà fait un commentaire, mais je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. Allez me voir, French Lefty. Là. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi. Alors, notre programme du jour... Ah, voilà, 40e jour de live. C'est pour ça que j'avais les trois boissons. J'ai <laughs> dû faire le choix. Hello, mon daddy Daril. Euh, comme d'hab, on va essayer de consacrer une trentaine de minutes sur vos questions de la veille. Et elles sont de plus en plus nombreuses. C'est super. Et ne lâchez jamais rien. Continuez à envoyer. On va essayer de consacrer 20 minutes au thème. Ah, ça vous fait rêver, ça, la reconnaissance avant compétition. Ah, alors peut-être qu'il y en a qui me disent oh, Je m'en fous, je ne fais pas de trompette." C'est pas grave. Et écoutez, je vous le dis, tout, normalement, tout ce que je fais, je dois toujours réfléchir pour que, quoi qu'il arrive, euh, chaque niveau de golfeur, que tu sois Jedi, que tu sois prof, euh, que tu sois débutant, que tu juste tu viens de dire ah bah tiens pourquoi pas ça m'intéresse le golf, eh ben, j'essaierai de glisser un petit truc qui peut lui servir. Ne serait-ce que pour ceux qui ne jouent pas encore au golf, bah, ça va, on n'a pas l'air que de vieux cons de riches. Et encore une fois, je les adore. Hein. Vive le golf. <laughs> Heureusement qu'il y a des golfs privés hein, parce que sinon, là voilà, quand vous arrivez et que vous avez un golf magnifique, c'est génial. Hein. Euh, voilà, et puis bah, nous, on va commencer direct par les petites dédicaces du jour, parce qu'évidemment, j'ai chopé au vol mon petit tiers, c'est gagnant. Ah, qui on a aujourd'hui Alors, tiens, je vais faire une dédicace à Mister Blue et à Prez de chez Meticulous Golf, mes potes qui sont chargés de, de, de créer le logo, en tout cas de Rina Golf. Vous avez déjà donné des idées, c'est super. Euh, et puis on choisira un petit peu tout ça. Peut-être que quand il me sortira un logo, je lui dirai bah En fait, je voudrais un mélange de ce que vous m'avez envoyé, de ce qu'il a proposé. Euh, c'est en cours. Ils sont, je crois, dans la phase de vectorisation parce que tout ça, ça sera peut-être prévu pour du laser. Enfin, bref, du bazar. Le relief Pitch, ils ont leur fournisseur d'acier. Euh, voilà, donc c'est en cours. Mais évidemment, il y a beaucoup de bordel avec le coronavirus. Voilà. Je vais faire aussi un petit big up à Ben Crochet. Voilà. Euh, pourquoi Alors, ah parce que j'avais listé dans mon top 5 des golfs, avec un petit sixième bonus, euh, j'avais listé le, le, le golf, un golf, je crois, euh, j'avais dit le, le château de la Bretèche. Et ben, je me suis loupé, heureusement, il y en a qui suivent, euh, c'est le golf d'Augerville, le château d'Augerville, hein, le golf, hein, qui est juste limitrophe à l'île de France. Donc. Mais de toute façon, vous allez me tester les deux, hein. les, deux les deux sont superbes, et on aura l'occasion, j'espère, de faire un vlog sur ces deux magnifiques golfs. Tout de suite, on continue d'enchaîner. J'espère que vous êtes à bloc là, mais Padawan, Une petite dédicace à Cyril C77 qui nous écoute du boulot à l'heure actuelle. Euh... Ah, bah non, bah c'était, pardon, c'était Cyril. Euh... C'est 77 qui m'avait fait cette dédicace, qui m'avait repéré le golfe de la Bretèche. Euh... Ah, pardon, mon ben Crochet, parce qu'il me signalait que le golf de Deauville, l'Amirauté, euh, organisait un tournoi de nuit. Bah, si tu es là, n'hésite pas à nous balancer mon ben. À le lien du golf, et puis vous allez me regarder ça si vous voulez tester le golf de nuit. Bon, bah mon Cyril, je ne t'avais pas cité, mais voilà, c'était pour toi, et heureusement que vous surveillez mes padawan. Oh, de toute façon, t'inquiète pas, j'ai une deuxième dédicace pour toi, mon Cyril, euh, qui m'a dit donc euh, rejouer le coup précédent. Vous voyez, euh, suite à Daddy Daril hier j'avais expliqué que quand tu mets une balle dans un obstacle d'eau, je vais garder les anciens termes. Excuse-moi, bac à loco. Euh, quand tu mets dans une balle dans l'obstacle dos et que tu t'acharnes à essayer de vouloir le passer, ça lui rappelait Tin Cut. et je voulais faire ce petit parallèle. Merci de me, grâce à ton commentaire. Mais si vous n'avez pas regardé le film Tin Cut mais Padawan et que vous êtes euh, confiné chez vous et que vous avez rien à faire, vous, je ne sais pas sur quelle plateforme ça se situe. Sûrement que vous avez une des plateformes Netflix, Canal euh, je ne sais pas quoi Disney. Où vous me trouvez ce film? Mais Tin Cut, c'est un film sur le golf. Euh, et Tin Cut", je le considère, je considère que c'est un padawan qui cherche à devenir Jedi. Et puis, si vous avez toujours rien à faire, vous allez me regarder euh, La légende de Bagger Alors là, pour le coup, la légende de Bagger accrochez-vous, mes padawans. Mais ça, c'est un film qui a été tourné par un Jedi. Donc, allez me voir la différence entre un film padawan et un film Jedi. Voilà, ça, c'est Kadorina Golf. On vous a bouffé 4 heures de votre vie, vous allez voir. Vous allez progresser au golf avec ces deux films. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Allez, il m'en manque encore un. Là. Ah, voilà, Racing Green euh, qui me demande. Ah, 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 ouais, OK. Comment tester l'épaisseur Enfin, comment savoir si ces grippes ont la bonne épaisseur Allez, vite fait, hein, je vous le fais en dédicace. Tu es là, mon Racing Green. Je crois qu'il y a des questions à toi encore qui arrivent. Mais si vous posez la question, alors déjà, bah, vous demandez à votre prof. Hein. C'est la meilleure chose à faire. Et puis, il va évacuer tout ça en disant, mais si tes grilles sont super, allez, va jouer au golf. <laughs> mais allez, je vous montre comme ça vite fait, mais tout ça n'est que de l'idéal théorique. ou là, je vais tout péter. Voilà, donc, tu vois, quand tu tiens ton, ton club, quand tu le grippes, là, je suis ici main gauche pour un droitier. Bah, Est-ce que tes doigts touchent la paume de tes mains, tu vois, et te, tes ongles te rentrent dans la paume ou non Après, évidemment, tu n'hésiteras pas, si tu as un doute, à trouver un pote à toi ou peut-être tu demandes encore une fois à ton golf hein. Qu'ils ont un fer avec un grip plus épais, genre mid-size ou jumbo. Et puis tu testes et tu compares avec tes grips qui sont peut-être en, en standard. Et tu vois si déjà tu as plus une préférence. Et tu vois, en testant un gros grip, peut-être tu vas tout de suite te dire Ah ouais, je suis quand même carrément plus à l'aise, euh, mais peut-être plus fin, ça sera mieux. Ou euh, purée, c'est exactement ce qu'il me faut. Eh bah, ben, vous testez, mais soyez sûr de votre épaisseur de grille. vous posez pas de questions là-dessus. Voilà. Et n'oublie pas, le pro, il a le double coup d'œil. Tu as des pros qui ont le double coup d'œil. Quand tu fais ta série, Et bah, tu vas voir euh, mes potes de J swing Tu viens de la part de Rina Golf. Aucune remise. Ça, c'est la garantie Rina Golf. Mais double coup d'œil, garanti aussi par Rina Golf. Oh. Et ben, bah, écoutez, on va pouvoir enchaîner vos questions. Je me fais une petite gorgée, mes padawans. Vous êtes là, tout va bien, un petit peu de calme avant que j'explose encore. Là. Mmh. Ah, tout l'enjeu, c'est de voir en même temps un peu votre chat. Attention, je vais fourrer dans mon cahier, je vais être en indisponibilité de chat. Continuez à chatter, continuez à partager, continuez à vous abonner. Le groupe J-Swing aussi. Il y a encore des gens qui sont là sur le chat qui ne sont pas dans la cartographie du groupe J-Swing Rina Golf. Donc, vous allez vous noter où vous êtes, parce que de là, on va décider avec Thomas où est-ce qu'on va se balader, s'il y a des priorités à faire. Et on a vu qu'on était nombreux en île de france Bon, il bah, n'y a pas que l'Ile-de-France, donc euh, allez, là, je t'ai pas vu d'ailleurs, mon Charles Giraud, je crois, dessus. Je voulais savoir tout de suite euh, vers quel golf. Allez, hop, on y va, allez, de la question, on en a. Je vire un petit peu ça, mais pas la one. Ah, William David est là, paf, à bloc. Le fumigène en place. Allez, la première question du J40 Rina Golf et de Racing Green. Alors, et qui me demande l'intérêt des tis sur un coup de fer Donc, au départ d'un trou, on a le droit à un tis. Alors, je te dis tout de suite, mais l'intérêt du tis, pourquoi on l'a autorisé au niveau du golf, à simplement parler, tu vois, là, on va les origines, c'était de, 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 de démarrer le parcours à égalité, de démarrer le trou à égalité, tu vois. Donc, euh, comme on est tous sur bah voilà, là on peut jouer ça. Je sais qu'il y a une époque, je peux pas te donner la date. Hein. Les historiens du golf, vous m'envoyez la date à partir de quand on a arrêté ça, peut-être ou quand est-ce que ça se faisait. Mais tu devais dropper ta balle. Donc tu vois, genre tu prenais ta balle. Tiens, je prends ma balle pour William, pour Catherine, pour euh, pour Jean-Claude. Tiens, je vois plus Jean-Claude, il doit bosser comme un dingue là. Euh, voilà. Donc j'utilise euh, ma balle ici de test. Hein. « Ah, il ah, ah, y a de la lumière à bloc, on ne voit pas bien notre sponsor, notre super sponsor. Enfin » bon. et bien, bah, tu vois, tu mettais ça dans le dos et hop, tu lâchais la balle. Et donc, si tu, ta balle s'arrêtait dans un ancien niveau, bah, tu démarrais ton parcours dans un ancien niveau. Donc, l'idée, c'est d'égaliser. Après, le T, ça, ça a le même intérêt pour tous les clubs. C'est-à-dire que puisque tu n'es plus obligé de rentrer dans le sol pour toucher la balle au centre, chose que tu dois faire avec un bois, avec un fer, pardon, et avec un bois, tu dois glisser suffisamment au sol en fait. Et si n'as pas de tee, bah oui, tu dois euh, arracher un petit peu de pelouse dans l'idéal. Et bah, ça te permet d'avoir la balle donc pile face au centre. Pff, je vous le redis, allez, c'est cadeau, mais la bonne hauteur de tee c'est votre balle pile face au centre de votre club. Donc euh, hop, si je mets un tee sur un sandwich, bon. Là, on va prendre un exemple complètement, vous le ferez peut-être rarement, bah, il faut que ma balle soit pile face au centre. Voilà. Donc, tu as la bonne hauteur de ti, donc voilà l'intérêt du ti. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte De ne pas devoir rentrer dans le sol, bah, un impact, un peu plus de vitesse. C'est pour ça que tu dis, bah, je vais plus loin, je vais plus haut, avec un ti. Voilà, c'est réglé. Excellente question. C'était une question de la veille, même de l'avant-veille, je crois. Question suivante, il est quelle heure Il est 14. Oh, je suis bien là, je, oh, je me refais une gorgée. Hein. Je m'attendais à avoir 28. Oh. Mmh. Est-ce que j'ai bien chargé la lumière Tu vois, des questions comme ça qui me passent au travers de la tête, là. Ah, sinon, je, je vais me faire asséner de commentaires. Mais vous êtes plutôt gentils, quand même, les Padawans. Qu'est-ce qui se passe Quand est-ce qu'on va me chatouiller un petit peu, là <laughs> Oh, je suis dingue. Allez, question de Jean-Christophe Marnière. Alors, pourquoi tous les golfs ne sont pas équipés de drapeaux qui indiquent la profondeur des trous alors vous allez peut-être le découvrir, mes Padawan. Mais en fait, euh, mon Jean-Christophe, beaucoup de golfs sont équipés de ça. Waouh, merci mon Daddy Daryl pour ça un bal qui nous motive. Oh là, là attends, je te, oh, je te, pour toi je te dédicacerai euh, dès que possible à lancer de relief pitch. Oh, ça me motive. Vous savez pas, là, les Padawan, ce que c'est ce truc, que je découvre. Donc je reviens à ma question. Ah, alors, mon Jean-Christophe, donc je te dis, euh, ça existe en fait dans la majorité des golfs. Euh, juste le, les, les gens qui le jouent ne sont pas au courant. Euh, il faut le demander à l'accueil, d'accord Donc je rappelle ce que c'est. Euh, par exemple, je vais prendre un, un exemple comme ça de tête. Hein. Mais si tu vas au golf national, euh, à l'accueil tu demandes où sont placés les drapeaux. Ils vont te fournir avec un petit carnet où donc tu as chaque green dessiné et puis il y a des lettres dessus ou des couleurs et vont te dire bah, aujourd'hui c'est en C4. Et donc, quand tu arrives au green du 1, tu regardes C4, le morceau de green qui est pris, et tu sais que le drapeau est dans cette zone. Euh, là, on dit profondeur parce qu'un peu plus basiquement, tu as des drapeaux qui vont indiquer si le green, le trou est entrée de green, milieu de green ou fond de green. Alors, soit par l'adjonction d'un deuxième petit drapeau en bas de ton drapeau, ou alors, vous avez peut-être déjà vu ça, là, vous allez voir, vous allez vous réveiller les padawans, une espèce de deuxième boule qui est sous votre drapeau. Tu vois, cette boule qui est amovible. Bah, normalement, si cette boule est vers le bas, c'est que le drapeau est entré de green. Boule au milieu, milieu de green. Boule au fond, fond de green. Il y en a d'autres qui utilisent des couleurs de drapeaux différents. Bah, vous demandez à l'accueil. Euh, donc voilà, je pense que ça existe dans pas mal de golf. Euh, après, oh, peut-être que tu veux un petit boulet rouge là-dedans, un petit boulet de cœur, c'est comme ça, c'est cadeau. Mais euh, sûrement qu'on ne forme pas les Padawan à lire ce genre d'information. On est trop occupé à leur allez faire chier, excusez-moi encore du terme, sur leur grippe au suralignement. Voilà. Mais euh, ça, ça peut être un truc très utile. Et ça existe dans beaucoup de golf. À vous de demander. Voilà. Allez, question de Louis Pinault. Alors, un intérêt euh, aux balles TaylorMade et Callaway. Euh, vous voyez les balles logotées style balle de foot. Là, c'est très à la mode en ce moment. D'ailleurs, qui joue ça comme balle, là euh, Les balles logotées genre euh, ballon de basket. Alors, je parle de balles homologuées, hein, TaylorMade, Callaway la plus connue comme ça de tête, c'est celle qui fait euh, « Merde, j'en ai pas là euh, », genre ballon de foot. Alors, l'idée de cette balle, en tout cas, c'est ce qu'avancent ce qu les, les fabricants, c'est que ça te permet de mieux lire ton taux de spin, ton taux d'effet dans la balle. Donc, euh, bah, mon lui me demande si ça a un intérêt. Et bah, je vais lui dire non, parce que ça va juste t'embrouiller. Merci, mon Toftrem Oh là là, ça, c'est le super chat pour ceux qui découvrent. Bah, c'est pour soutenir euh, des, les créateurs de, de contenu, voilà, pour les... Waouh, j'hallucine encore. Hein. Nous, on vous fait tout ça vraiment avec le, le, le plaisir au maximum, comme on vous dit chez Rena Golf. Et puis, vous décidez de nous soutenir, bah, ça nous va droit au cœur. Oh, oh, oh. Voilà. Allez, mon Thomas, la, 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 la touche A là, elle va bientôt arriver, la touche A. <laughs> J'en suis où Ah oui, mon Louis Pido. Alors, qu'est-ce qui se passe Ouh là là, on va envoyer du boulet. Là. On va envoyer du boulet au fabricant de balles. Donc, je disais de savoir ton taux de spin. Sera tendance à vous embrouiller, à vous demander si vous avez le bon taux ou pas, au lieu de juste choisir votre point d'impact, par exemple. Euh, et en plus, ça sera globalement valable sur tout bord de green, souvent, sûrement dans des cas où, où bah, je te conseillerais peut-être un chip beaucoup plus roulé, donc avec très peu d'effet rétro, voire même un putt. Et peut-être que là, bah, tu voudras voir ton taux de spin avec ta balle de foot et tu vas me sortir ton 58. Et oui, voilà le danger de tout ça. On veut très bien sans ça. Et je vous le dis, les pros ne cherchent pas à faire du backspin. Ça, c'est des rêves d'amateurs qui n'ont pas compris que ça servait à rien, le backspin. Ce qui est con, c'est que ta balle finisse près du trou, mon cher Louis. Et puis, euh, aussi, il y a quand même un intérêt. Allez, soyons fous quand même. Mais ça permet de vendre des balles. Et puis, si tu kiffes ta balle, tu vas la perdre plus vite. Voilà. Allez, ah, question suivante. Ah, je suis désolé, j'ai envoyé quelques petits boulets de cœur aujourd'hui. C'est la 40e. Il faut qu'on fasse ça. Vous libérez de tout ce qui vous empêche de, de vous faire plaisir au golf. Je vous l'ai déjà dit. Vous me dites ce qu'il vous faut. Je vous dirai comment s'en passer. Bah, même si vous me le demandez pas euh, clairement, bah, je vous dis quand même comment on s'en passe à chaque fois. et oui, c'est comme ça. Ça va ceux qui doivent porter des râteaux là, parce qu'ils portaient des tas de trucs qui servaient à rien. <laughs> hein, donc tous ces bâtonnets, là, les sticks pour faire pro, euh, quoi d'autre. Oh là là, mais j'y suis, il est dingue là, il va me faire perdre le fil là, il balance des, des 55 balles. <laughs> On en fera bon usage, mon Pierre Antoine. Waouh, oh ça booste. Bon bah, je crois que la lettre A, peut-être même la lettre Z de Azerty de Thomas est déjà dans la poche est ce que vous êtes là Apple là euh, qu'est ce qu'on fait là voilà on va, on va arriver avec 200 balles vous nous lâchez de quoi faire un meilleur montage oh, j'en étais où allez je repars dans mes questions euh, donc voilà euh, pour les balles voilà. je passe à la suivante allez ici si, au cas où vous me reposez des questions une question de jean christophe Marnier, ah ils sont là, ils sont solides. Alors, mon Jean-Christophe qui me demande pourquoi les parcours font 18 trous. Oh, J'ai vu qu'il y avait déjà des joueurs qui avaient la réponse là-dessus, mais je prends quand même la question. Euh, bah 18 trous, ah, je crois que c'est Daddy daryl qui disait qu'il y a 18 doses dans une bouteille de whisky, mais je crois que je vais devoir rappeler que c'est plutôt dans une bouteille de scotch. <laughs> Ça, c'est la version fun. Euh, plus réellement, plus probablement, mais je, il y a longtemps que j'avais regardé ça. Euh, mais c'est parce que le, le premier golf, en tout cas le golf qui a hésité les premières fois, les règles qui sont devenues, bah, qu'on connaît maintenant sous le nom du roi, et est ancien. C'est une association, en fait, qui a comme parcours euh, le hole course Saint-Androuz. Et il me semble qu'il y avait euh, plus de 18 trous à la base, mais euh, il mais, euh, y a une partie, je crois, soit c'est le, le propriétaire des terres, ou peut-être pour, pour euh, faire un chemin de fer bah, qui a été revendu, et puis bah, ils se sont retrouvés avec 18 trous, et je pense qu'ils ont dû faire une coupe, tu vois, pour que, comme je vous l'ai dit, les golfs là-bas, c'est pour ça qu'on dit l'aller et le retour, ont été faits de base. Euh, bah, tu as toute une partie du parcours où tu t'éloignes, et quand tu arrives au bout, tu reviens. Donc il a fallu, à mon avis, couper euh, un endroit pour revenir, et boum, ça fait 18 trous, voilà euh, Et puis bah, ils ont maîtrisé un peu les règles, donc euh, chaque golf faisait comme veut, mais avant, avant que ça soit aussi mondialisé et compétitif, euh, j'ai vu des golfs où il y avait 16 trous. Hein des golfs où il y avait 16 trous et il y avait des greens qui avaient des doubles greens et tu faisais un départ différent puis, pof, tu arrivais à en faire 18 aussi. Allez, question suivante, elle est de Karl Côté, genre, voine, je suis pas mal, je n'ai même pas fait la moitié de ma page. <laughs> Alors, Karl, qu'est-ce que tu veux, mon petit Karl On est là, il a golfé là, en peignoir pour te répondre. Alors, comment savoir si mon fer a le bon loft à l'adresse Une petite question technique. Eh bien, écoute, mon Karl, je trouve que tu as bien posé la question. Ça, je sens que tu as été aiguisé en suivant les lives. Tu n'es pas venu me dire comment on se place pour faire tel ou tel coup. Tu as compris le principe que une fois que tu as choisi ton coup, ensuite tu choisis le, le, le loft du club que tu souhaites avoir. Donc ta question est quelle est la base C'est-à-dire que si tu fais un coup tout à fait basique, parfaitement layé, comment savoir si j'ai le bon faire voilà une... enfin, Le bon live, le bon loft Voilà une vraie question technique. Alors là, mon petit, là, je vais devoir te faire une démo. On y va, je vais prendre mon 56 pour la démo. Si vous suivez la vidéo avec euh, Bona, mon pote Bona, c'était mon ancien 58 de la marque Fortin. Ça, c'est numéro 1, je crois, au Japon sur les wedges du tour. Hein. Alors, le bon loft. Alors, je, je vous rappelle que quand on vous demande de poser votre club, donc les trois positions clés pour votre club, vers la balle doit être face au centre, donc imaginez que j'ai une balle. Votre club doit être orienté vers la cible de votre choix. Donc voilà. Et puis le troisième, vous devez avoir la bonne ouverture, le bon loft de votre club. Ici j'ai un 56, donc il me faudrait un 56. Alors là vient un terme. Oh, Qu'est-ce que oh je l'adore en fait. j'allais dire il nerve, mais en fait je l'adore. Mais euh, tout le monde va me dire et je veux la réponse tout son cœur. Eh ben normalement le club il a la bonne ouverture quand il repose sur la semelle. Ce qui est vrai et faux en même temps, c'est-à-dire que oui de reposer sur la semelle, sauf que votre interprétation de club sur la semelle, elle est fausse mes petits padawan. Donc votre semelle, je me rapproche. Est-ce que vous voyez bien là ici là votre semelle, c'est cette zone. Et la semelle en fait, elle est dans cet axe, mais elle est aussi dans cet axe, d'accord, euh, en largeur et en longueur on va dire votre semelle. Donc l'intérêt de la semelle, c'est que au contact du sol, votre club, je vais le faire de dos va pouvoir glisser sur la semelle, s'enfoncer, et enfin, vous allez pouvoir toucher votre balle. Et tout ça, sans vous faire perdre trop de vitesse, puisque votre semelle est conçue pour glisser. Donc, sa question, évidemment, est très importante, et je vous l'ai déjà dit. Si votre balle est enfoncée, d'accord Donc, je refais mon petit exemple, si j'y arrive. Si votre balle est enfoncée, vous voyez là, comme elle n'est pas bien laillée, comparée à une balle où j'ai la main bien tendue, et bien, vous devez arriver plutôt avec le tranchant de votre club, donc plus dans ce sens-là, pour creuser plus profond pour toucher toujours votre balle au centre. Oh, on s'en rapproche de ta question mais elle est bonne, on s'en rapproche. Donc la bonne ouverture si vous voulez placer votre club, n'importe quel club normalement. Alors la bonne c'est que quand vous posez votre club au sol, voyez je vais me rapprocher, j'espère qu'on va le voir, mais la bonne déjà c'est que quand votre club est sur la semelle, l'arête voilà, ne touche pas le sol. Donc vous voyez ici mon club est bien posé et comme vous, vous voulez que tout touche le sol, eh bien, généralement, vous avez un club tous beaucoup trop fermé. Vous me demandez pourquoi vous grattez là sans arrêt Donc voilà ton premier point de repère, mon cher Karl Côté. Je crois que c'était toi qui m'avais posé la question. Oui, c'est ça. Donc, un, la semelle, le, le, la semelle en fait, l'arrête ne touche pas le sol. Il faut vraiment voir bah, le, le club posé au sol, mais avec une arrête presque un petit peu en l'air. Deuxième manière de vérifier, et ça, c'est surtout à vérifier en fait. Sur le practice, parce qu'une fois que vous aurez l'habitude de le poser correctement, il n'y a plus besoin de, de savoir si on est bon ou pas, puisque vous vous sentirez bien que quand votre club sera bien placé, sauf si vous décidez de le fermer un peu, peu importe. Hein. Donc, vous habituez visuellement au practice. Et bien, ton deuxième, euh, on va dire, effet qui se coule, cool, euh, ou peut-être ton deuxième indice, bien, quand tu vas faire ton swing d'essai, mon cher Karl Côté, et vous testerez peut-être, hein, est-ce que ton club au contact du tapis, il glisse, ou est-ce que tu sens qu'il accroche Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas savoir. C'est bon, on a répondu. Tout ça, c'est au millimètre près pour n'importe quel club, n'importe quelle morphologie de joueur et n'importe quel coup de golf. Et tu choisiras le coup que tu veux et tu adapteras le loft de ton club. Et oui, un club suffirait pour jouer n'importe quel parcours pourvu qu'on ait assez de balles. Ah, oh, ça fait du bien. Ça Ça va ou va là, Un peu de technique, là, vous n'êtes pas perdu mmh. Donc, l'arête ne touche pas le sol et au swing d'essai, au practice, bah, le, le club glisse bien au tapis. Tu t'installes, tu vas voir, tu vas être surpris, hein, ça va aller glisser mieux, donc ça va aller beaucoup plus loin. Et la balle sera aussi plus haute parce que souvent vous avez les mains vers l'avant. J'ai entendu quelqu'un, euh, euh, ah, c'est un Jedi, mais il a voulu filer un coup de main, dont je, je tairai le nom, mais qui a dit bah, le club, après, tu le mets en direction de l'aine. Ben bah, non, j'ai dit face au manche, bras ballant, face au manche, bras ballant, face au manche, bras ballant. Ah, je vous l'ai dit que celui-là, j'allais le dire par, pa par, par triplette. Hein. <laughs> donc, face au manche, ça veut pas dire le club en direction de l'aine. Ça veut dire le club en direction. En tout cas, le club est bien placé et le joueur va se mettre en direction de son club pour qu'il pointe vers l'axe central de son corps. Tous ceux qui mettent les mains vers l'avant, donc le club, le manche en direction de l'aine, eh ben, vous savez ce qui vous arrive. Vous mettez votre club sur le tranchant et donc vous grattez. Et Rina Golf, va plus loin. À force de gratter, vous avez la trouille de toucher le sol. Et eh ben, vous allez finir par topper. Voilà pourquoi vous faites des séries de gratte, gratte, gratte. Top, top, top. Gratte, gratte, gratte. Top, top, top. Et trois euh, grattes sur le fairway. Et quand tu arrives bord de grille où tu as besoin d'une gratte à la limite pour être près du drapeau, top, top, top. top. C'est là où tu traverses tout. C'est cadeau, c'est pour vous, les padawans. <laughs> oh, je suis un peu dingo, excusez-moi. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette chaîne, hein?

Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il nous demande Merde, il est 28. Bon, oh, qu'on me bloque le temps, là. Hein Alors, mon Thierry Dumont, qui se pose la question, puisqu'il a un driver qu'il a acheté d'occasion, sans couvre-driver, et il me demande, en fait, euh, bon, si le, le couvre-driver Slizenger, euh, je crois que c'est Slizenger, hein, dispo chez, euh, chez D4, suffit largement. Eh bien, écoute, grâce à tes deux minutes du peuple, on va pouvoir vraiment prendre le temps là-dessus. Parce que le choix du cover de votre driver, du capuchon de votre driver, il est capital. Et oui, Padawan, vous voulez, hein, vous, voulez vous prendre la tête dans la technique et sur des bases comme ça, vous n'êtes pas bon. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce capuchon D'abord, le capuchon, oui, c'est un petit peu utile. Euh, ça évite que ton driver claque partout et que, que la couleur, on va dire, s'écaille si ça cogne d'autres clubs. Et souvent, les golfeurs. Dès qu'il y a un petit pet de, de peinture, ça y est, ils veulent un nouveau modèle. Donc, euh, bah, si vous voulez changer souvent, ok. Alors, il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Hein, il allait ruiner, mais un driver, il garde ses propriétés, peu importe la peinture. Ensuite, tu as le, le, le capuchon. Si tu viens d'acheter le dernier modèle de chez Taylor, euh, tu as mis 600 balles. Si tu mets le capuchon qui te fournissent avec, eh ben, je te l'annonce. Mais euh, tous les gens qui suivent un peu le golf, ils voient très bien que le sac qui est là-bas au fin fond, eh ben, il a un club qui dépasse qui vaut 600 balles. Donc c'est parfait pour attirer le regard. Euh, pareil, tu arrives au départ du 1 avec un capuchon. On sait que ton driver vaut 600 balles. Je peux te dire que tu as intérêt à envoyer un sacré drive euh, parce que sinon, c'est la honte. Hein. Donc tout de suite, on change le capuchon du driver. Et, euh, et on avait parlé un petit peu de est-ce que j'ai, euh, comment on appelle ça, des petits gris-gris, je crois, des petits trucs comme ça. Alors j'ai dit, mais pff, ça c'est pour faible mentalement. Et moi je suis prof de golf, donc je ne peux pas croire que le gris-gris suffit. Cela dit, le capuchon de driver, tu vois mon capuchon de driver, si vous l'avez repéré dans, dans, les, dans les vidéos, c'est un stormtrooper. Euh, quelque part, il faut le choisir pour qu'il te représente, tu vois. Euh, ça peut t'aider à y croire un peu plus à ton drive, à avoir plus de confiance quand il faut le sortir, parce que tu vois un de tes persos préférés en capuchon driver, un de tes pros préférés, tu vois un McIlroy. Donc euh, ça a l'air de rien, mais euh, puisqu'il faut changer de capuchon et que c'est globalement utile pour éviter que tu fasses un boucan de tous les diables quand tu avances avec ton sac, eh bien moins tant qu'à faire, puisqu'on en a un. Choisis-en un vraiment qui te correspond. Euh, quelque chose que tu veux dégager et, euh, et en dehors de ça il y a un côté complètement euh, rina golf là dedans hein, mais euh, euh, ça donne aussi une ambiance tu vois dire que je peux détecter comme ça des gens qui sont bonne ambiance via leur capuchon de driver tu vois il y en a ils, te, ils vont te mettre des capuchons de driver john daly bon, ben, tu sais que le mec il est bonne ambiance tu vois euh, il y en a ils vont peut-être te mettre un capuchon euh, un cercueil ou j'en sais rien donc euh... Enfin bon, euh, attendez, euh, euh, j'ai mon, mon assistance qui me demande. Ah oh bon, on ne me dit rien, tout va bien. Oh, je bouffe du temps, ouais, c'est les deux minutes du peuple. Et enfin, et on va essayer de faire ça, mais euh, peut-être que vous aurez des. Des capuchons de driver Rina Golf ou J Swing, hein, si ça vous tente, ça a ouais. arboré fièrement. <laughs> D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi j'ai le Stormtrooper hein Allez, je vous laisse déblatérer des dessus sur le chat. Pourquoi j'ai un Stormtrooper Allez, c'était les deux minutes, deux minutes, deux minutes, 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 les deux minutes du peuple, offert donc par Terry Dumont. Choisissez votre capuchon de driver, c'est important. Ouah, purée, il est 31. Je devrais passer au thème. Il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six questions encore à traiter. Pff, je crois que ça va être comme d'hab. On va finir avec un tout petit peu de retard. Hein, C'est bordel. Qu'est-ce que vous voulez Où je raccourcis sur le thème De toute façon, vous en foutez des reconnaissances. Vous avez compris. Je vous l'ai dit, ça sert à rien. Donc, vous m'obligez à me justifier. Je vais me justifier. Mais bon, ça sert à rien. Voilà. Allez, une question de Yo le golfeur. Alors, euh, décrit le quotidien d'un pro-enseignant. Ah, alors je crois que j'avais déjà décrit mon quotidien à l'heure actuelle. Je vais voir si j'arrive à ouvrir et on va te le faire en 2-2. <laughs> je vais prendre mon planning, par exemple. Est-ce que j'ai accès à mon planning On va le prendre. Ah, euh, oh, c'est un mois de février, mais tu vois, je te prends un samedi. Euh, le samedi 8 février, par exemple, ou le 12... Ah, alors qu'est-ce que j'avais, moi, ce samedi-là <laughs> Alors, j'ai commencé par une heure de cours, tu vois, 8h30, avec un Karim qui est là sur le chat. Ensuite, j'ai cours école de golf... Euh, alors, je me laisse un petit, euh, une petite demi-heure de pause, j'aime bien avant d'attaquer l'école de golf. Vraiment, tu vois, il faut que je me concentre pour avant d'enquiller un truc comme l'école de golf, c'est vraiment costaud. Donc, j'ai école de golf, de, je crois, de 10 jusqu'à quelle heure oh, Je ne connais même plus mon planning, ça fait tellement longtemps. De 10h à 11h, je crois, ou 11h15. Ensuite, de 11h15 à 12h30, j'ai le Kids Club, donc c'est école de golf. Euh... C'est un petit peu avant l'école de golf, on va dire. On va dire, ils sont pas encore tous tout à fait autonomes. École de golf, logiquement, ils sont autonomes. Euh, ensuite, j'ai une heure et demie de pause. Alors là, j'avais pas de cours individuel. En général, J'aime pas mettre de cours individuel à l'heure du déj. Ça, ça veut dire que ce que je suis allé faire, bah, je suis allé faire une heure de sortie de bunker. Puisque là, on est en février et qu'on sky. Et je vous l'ai dit, les sorties de bunker, c'est quand on sky qu'il faut s'entraîner. Bref, 14h. Ah, je prends mon groupe. Euh, Espoir, on est 20 et je les ai deux heures d'affilée, de 14h à 16h. Un groupe de 20, oui, un groupe de 20, ça peut te surprendre. Mais l'idée de ce groupe, c'est comme je vous l'ai dit... À cet âge-là, parce qu'ils sont entre pré-ado et ado, il faut absolument qu'ils trouvent un pote. Et tous ceux-là ont vraiment l'esprit un peu complet. Tu vois, ils ont vraiment ce goût du golf. Et donc, il faut que je les mette euh, entre eux. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai Eh bah, ben, hop, j'avais un cours individuel avec un Philippe. Euh, ça, je l'avais mis à 16h30. Et puis, bah après, là, je me suis rien mis. Bah, ah oui, peut-être même pas. Ah bah non, je crois. Qu'est-ce que j'ai Une demi-heure, pardon. Bah oui. Après, il fait nuit assez vite, donc c'est la misère. On a dû finir à la bougie. Voilà. Et puis là, si j'ai du temps, par exemple, si aujourd'hui je finis de bosser à 17h, 18h, j'en sais rien. Ah bah, tu peux être sûr que je vais aller m'entraîner hein, le reste du temps. Allez, c'était mon petit planning euh, prof de golf le samedi, je sais plus quand, mois de février. Voilà. Allez, je passe à la question suivante. On accélère, on accélère. Question de Karl Côté. Je vais boire ma gorgée ultra rapide. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon carcoté Ah, qui me demande si les clubs euh, ont de l'usure, euh, par exemple, les fers, les bois, genre les sand wedge. Euh, il me demande si c'est vrai ou faux. Alors, je vais te dire, c'est vrai et faux, évidemment. Euh, oui, il y a une usure des clubs. Euh, par exemple, les faces de club, des, faces, des, des fers forgés peuvent s'user un petit peu plus. Tu verras les, chez Mizuno, notamment, quand les séries sont jouées régulièrement, bah, il y a un petit creux au milieu. Ah, ben, bah, tu vois, je, ça c'est parce que je l'ai utilisé à mort dans le bunker. Alors, est-ce qu'on le verra en tout cas, je vous le mets. Donc, tu as ce genre d'usure euh, sur la face qui peuvent arriver. Euh, le chave, euh, oui, va bah, s'user un petit peu dans le temps, parce que c'est un truc qui est entre élastique. Donc, plus tu l'utilises, on va dire, plus il sera élastique. Euh, mais en fait, tout ça, on s'en fout, parce que euh, ton corps s'adapte. Le seul, peut-être, le petit risque, c'est que sur des wedges, tu vas avoir un petit peu moins de taux de spin. Mais à part si tu joues la balle de foot tu le verras quasiment pas et ton corps va s'y adapter, tu vas t'y adapter vraiment. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, de toute façon, j'ai envie de dire faux parce que vous changez vos clubs bien avant qu'ils soient usés, hein. mais des, des clubs, ça se garde des plombes. Il n'y a que le grip qu'il faut changer, aller régulièrement, mais les clubs, ça se garde vraiment des plombes. Donc, on peut parler, si vous mettez le paquet, je ne sais pas, vous, vous prenez une série à golf, euh, Faites un bon petit fitting et tout. Bon, bah ça, tu peux les passer à tes petits-enfants. Hein, normalement, hein, pas de souci, Change le grip et c'est bon. Hein, c'est que de l'acier, hein, tout ça. Euh, et même le graphite, ça tient des plombs. Hein. Allez, question suivante. Elle est de Angle du Salopard. Il paraît que tu as déjà jeté un club dans l'eau. Mythe ou réalité Eh bien, je pense comme ça, de tête que c'est un mythe. Euh, parce que. C'était très particulier quand je, je me souviens, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'étais à l'école de golf ou quand je jouais en équipe, c'est-à-dire j'étais juste en entraînement d'équipe, euh, dans les stages en équipe, je, je m'étais plutôt. Les rares faux, je me faisais engueuler parce que je un gentil globalement, tu vois, mais euh, ça bouillonnait dans ma tête à l'intérieur pour comprendre le golf. Mais euh, je me souviens de m'être fait engueuler et, et euh, si des euh, gars de, de, de la team SBG sont là, hein, comme B Big Ben ou peut-être euh, Mr. Blue, euh, je me faisais engueuler parce que je râlais pas. C'est-à-dire que j'envoyais un super drive plein milieu de fairway. Le pro était là, notre pro Manu, big up à toi Manu. Euh, et, euh, et là, je t'envoyais une grosse horreur, cette espèce de socket de topette. Et, euh, et moi, je bronche pas. Tu vois, je range mon sac, et mon club. Et là, mon pro dit "Mais qu'est-ce que tu fous Je dis "Mais qu'est-ce qui se passe J'ai loupé le coup. Ben, pourquoi tu hurles pas Pourquoi tu lui dis pas la balle tourne Vas-y, fonce et, et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais surpris tu vois, de me faire engueuler pour ça. Euh, et je me dis, mais dans ma tête, j'ai rien dit, tu vois, mais dans ma tête, je me dis, mais la balle, elle ne comprend pas si je lui parle. <laughs> Donc, tu vois, je je, c'est peut-être le fait d'être malgache, d'être missionné, mais je ne suis pas du tout du genre à balancer mes clubs ou à lancer quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un a un souvenir avec qui j'ai joué, mais je ne crois pas. Hein. C'est peut-être un de mes avantages pour, euh, pour jouer au golf. Allez, ah, question suivante. Alors, elle est où Elle est où Ah elle est de Christophe, J'ai n'ai pas la suite, juste Christophe. Alors, qui me dit un parcours compact, est-ce que ça rend moins de coups Alors, je te dirais, mon Christophe, que ce n'est pas, pas le terme parcours compact qui, va, qui varie tes coûts rendus, c'est plutôt, on va dire, le stop, le SSJ, le SSS, c'est-à-dire que c'est le coefficient calculé de la difficulté du parcours. C'est ça qui va définir ton nombre de coûts rendus. Alors, évidemment, ils tiennent compte de la longueur des trous, et donc c'est pour ça que automatiquement, ou en règle générale, tu auras moins de coups rendus pour un même index sur un pitch and putt, mais ce n'est pas vraiment le fait que ce soit un pitch and putt. Peut-être que si on te fait un pitch and putt avec des greens qui font 2 mètres carrés, bizarrement, on va te rendre beaucoup plus de coups. Mais bon, faudrait, euh, ça serait un peu con de faire un pitch and putt tellement dur que personne ne va aller dessus. Mais euh, voilà, tiens, si vous avez regardé ça, mes padawan le, le tournoi de, avant les Masters d'Augusta de part 3, Hein, vous avez vu là le, le tour de magie là le nombre de trous en un bah oui parce qu'ils mettent les drapeaux dans des goulets <laughs> donc tu fous la balle sur le grid ça prend une pente, tu dis purée elle est télécommandée oh, qu'est-ce qu'il y a comme trop en main et je vous vois kiffer là-dessus mais bon moi je, je, je regarde ce qu'il y a derrière <laughs> voilà pour ton histoire de slop allez la dernière, l'avant-dernière question, et il est 39, je suis méchamment labour, elle est de Chris Jean-Christophe Marnier, allez les autres si vous avez des questions vous envoyez, hein. alors solution pour aider des jeunes euh, des jeunes à ces pro. Ah, euh, je vais aller vite hein, sur ta question hein, et je vais, je vais vachement résumer, hein, mais pour moi, à l'heure actuelle, la meilleure solution, c'est de les envoyer aux États-Unis. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est ce que va faire, euh, j'espère, la petite Inès. Et je ne sais pas si ça ne va pas être le merdier avec cette histoire de coronavirus, mais elle devait y aller cet été, euh, notre joueuse de Champigny. Mais euh, tu vois, aux États-Unis, ils ont l'esprit sportif. Tu auras le golf dans ton bahut. Quand tu diras je joue au golf, ils vont être comme des dingues, oh super et tout. Euh, voilà, comme un, un petit jeune qui est en équipe de France de foot et qui arrive dans son collège. C'est tout de suite méga star. Donc voilà, je vais résumer vite, vite fait, bien fait. On est vraiment trop loin. Et bien j'ai des tonnes d'idées évidemment pour améliorer déjà de notre côté en France. Mais moi la priorité ce serait de trouver un système pour les envoyer dans, dans ces collèges, dans ces facs américaines. Voilà. Alors, tiens, une question Facebook G-Swing. Hein les clubs bar golf sont-ils tolérants J'ai vu passer cette question. Euh, fait un petit, on avait fait un petit test avec Thomas ce jour-là, les clubs bar golf, que je jouais une marque française. Juste, on n'a pas sorti, parce qu'elle n'est pas comme on veut. Ou on verra bien si on la sortira ou on la refera. Euh, mais euh, en gros, ce que je dis, c'est que bah oui, très, très étonnamment, c'est des clubs vraiment que je trouve tolérants. C'est-à-dire qu'ils ont une face beaucoup plus large, par exemple, que mes Murat. Euh, ils ont une semelle beaucoup plus large que mes Murat. ils ont un offset beaucoup plus prononcé que mes Murat, et donc tout ça, c'est les ingrédients d'un club facile à jouer. Et juste vu du dessus, tu as l'impression d'avoir une lame. Donc c'est clairement, euh, on va le comparer à une bagnole, allez, on va dire une bagnole, mais c'est une, une Bentley Continental GT. Voilà, c'est-à-dire que si tu prends une Ferrari, elle est une lambeau. Alors ouais, tu as 600 chevaux, mais au premier coup d'accélérant trop, bah, tu vas partir en tête à queue et tu mort. Donc, tu vois, c'est performant, mais c'est pas tolérant. Euh, si tu prends, je sais pas, moi, une, une familiale avec un gros diesel, bah, ça sera pépère, mais ça ne sera pas performant. Et bien, bah, voilà, ça serait ça, je trouve. Euh, euh, les, les clubs Art Golf ceux que j'ai testés, je ne sais plus le modèle. Pierre-Antoine, si tu as le modèle. Voilà, donc c'est vraiment euh, étonnamment tolérant. Donc, si euh, tu te dis, je n'ai pas le niveau de jeu pour jouer une lame, bah, je pense qu'ils ont créé un truc qui ressemble à une lame et qui est pas du tout fait pour. Euh... Bah, personne n'est fait pour jouer des lames. Même moi, si j'exploite mes murats à 30-40%, ça serait beau. Bah, Dites-donc, mes Padawan, j'ai fini les questions du jour et les 41. Waouh, On aura peut-être quand même 10 minutes sur le thème. Hmm. Tout le monde va bien oh, alors, alors, Le cours vous a été offert par Daddy Daril, euh, ce live euh, par Toftrem. Et par J Swing. Waouh! Incroyable ce super chat. Merci à vous encore. Ah, alors, notre thème du jour. Alors, qui euh, fait des recos là Je veux des noms. Allez, ah, AR, F18. Voilà, c'est les clubs que j'ai testés chez eux, notamment. Euh, même les Wedge, ils hein, sont plutôt faciles à jouer, vous verrez. Euh, alors, hein, j'ai posé une question. Là, hein. euh, qui fait des reconnaissances C'est-à-dire ben, en général, c'est des gens qui font des grands prix ou qui jouent en équipe. Pour les autres, vous, vous aurez même jamais entendu parler de faire une reconnaissance. Hop, les deux minutes, ça j'ai fait. J'essaie je, de retrouver mon thème à hein, mes padawan. Est-ce que je les ai perdus oh, Il est là, mon petit thème. Voilà, j'ai tout. Donc, faire une reconnaissance, c'est euh, jouer le parcours où, prochainement, tu as prévu un tournoi, histoire d'aller repérer un petit peu les pièges qui sont planqués par ce parcours, que tu vas bah, éviter d'arriver là et de le découvrir, parce qu'évidemment... La, toute la force de notre sport comparé à tous les autres sports, on essaie de me vendre le tennis. Tu vas voir, c'est super. Le foot, tu vas voir, c'est super. J'ai envie de le dire, mais moi, mon sport, il change à chaque jour, à chaque golf, chaque golf est différent, donc tu te rends pas compte, ça. là. Golf de montagne, golf de bord de mer. Waouh T'emmènes un mec qui joue en bord de mer à la montagne, il joue comme une merde, hein. et inversement. Hein. Donc, on y va pour notre petit thème. Donc, la reconnaissance, c'est ça. C'est-à-dire que les, 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 les padawans qui vont faire un grand prix, tournoi amateur les plus relevés, généralement en dessous de 7 d'index, bien qu'ils acceptent un peu plus haut maintenant. Euh, et donc, ils vont faire une recose, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire le parcours. Comme je vous l'ai dit, ça se fait souvent la veille, alors qu'après, ils vont se taper deux jours de tournoi. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils vont faire 18 trous, en portant leur sac. Euh, et puis, ils vont noter leur score et noter plein de choses. Alors, déjà, euh, si c'est ça pour vous euh, faire une reco, hein, donc là, là, ça va faire mal à beaucoup. Hein, donc, euh, ce, ce sont des boulets de cœur, pas hein, panawan calmez-vous. Ce sont des boulets de cœur, c'est pour votre bien. Voilà. Euh, donc, ce qu'ils vont aller faire, c'est qu'ils vont aller faire la reconnaissance, faire leur parcours en portant leur sac. Euh, donc, moi, j'y vois là une fatigue physique inutile, alors que derrière, tu vas te taper deux jours de tournoi. Euh, ils vont noter leur choix de club. Tiens, sur ce pas 3, j'ai je, je joué un fer 7. Ici, je vais jouer un fer 4. Là, je vais jouer le driver. Donc là, ça vous rappelle toujours les souvenirs. Et puis, euh, et puis euh, voilà à peu près ce qui va se passer. Euh, là, ça me pose problème. Parce que déjà, la fatigue physique inutile juste la veille. C'est pour ça que je vous dis bah, au mieux deux semaines avant. C se rajoute à ça toutes ces annotations. Là, de, et sur ce par 3, je joue un fer 7. Et si le lendemain, il y a un gros vent de face, bah, il le sait. D'après ses calculs, qu'il doit jouer un bois. Mais comme la veille, il avait noté faire 7, et eh ben tu vois, ça le fera hésiter. Donc les pros ne notent pas leur choix de club euh, sur un trou, les conditions vont varier, n'est pas du tout ça qui note. Donc vous fatiguez à noter des trucs avec des gens qui vous collent aux fesses. Or là, si vous venez la veille d'un Grand Prix, vous faites un Greenfield, vous êtes mort. Hein. Vous avez tous les, tous les fous de de Grand Prix qui vont prendre leur temps à, à maîtriser la largeur des greens, la profondeur. À essayer de, de faire une cartographie. Enfin bref, vous bouffez du temps pour rien, les padawan. Il faut se reposer, ça sera mieux. Donc, tu vois, toutes ces notations de choix de club complètement inutiles. Et puis, on va le résumer vite quand même, parce que j'ai bouffé beaucoup de temps, mais vous avez fait votre recours la veille, et je vois deux scénarios. J'en ai viré un troisième, mais euh, vous jouez bien, purée, j'ai joué le part et tout. Et bien, je vous l'ai dit, le lendemain, vous allez avoir une pression monstrueuse si vous démarrez avec deux boguets. Alors que peut-être que vous êtes, je sais pas, vous êtes, vous êtes 7 d'index, donc bah, théoriquement, au mieux, tu, feras, tu vas faire minimum 7 bogeys. Donc tu vois que tes deux tes bogeys, tes ils arrivent en début, en milieu, en fin ou éparpillés, on s'en fout. On parle en nombre de bogeys à, à faire si tu veux jouer ton index. Donc tu vois, si tu joues bien, ça a tendance à te, à te mettre énormément de pression. Et puis si tu te mets à moins bien jouer, par exemple, dès le début, bon, bah, là, c'est tout de suite mort. Si tu te mets à bien jouer, la veille tu as bien joué là tu es là dans le parc, ça va te mettre aussi beaucoup plus de pression. Et puis on va quand même voir le cas où tu as joué comme une merde à la reco, bah autant te dire que tu vas déjà perdant le jour J. Donc faire la reco la veille avec tous ces trucs de notation, je vous l'ai dit, ça ne sert à rien. On est d'accord Ça ne sert à rien de faire une reco là. Hein bon, alors quand même, si jamais vous voulez faire une reco, je vais vous donner mon avis sur comment on devrait faire une reco. Alors vous êtes prêts parce qu'il va vous falloir un peu d'équipement. D'abord, il te faut une voiturette. Il ne faut pas te crever. La gueule la veille, il te faut une voiturette. Ensuite, il faudrait faire le parcours à l'envers. Et oui, c'est-à-dire pas forcément du 18 au 1, mais en tout cas du green jusqu'au départ. Donc évidemment, tu vois la problématique, bah il faut que tu connaisses bien le directeur pour qu'il te laisse faire ça. Euh. Ensuite, j'irai avec quoi comme équipement J'irai pas avec grand-chose une fois que j'ai la voiturette, donc pour pas me fatiguer. Euh, le but, en fait, c'est de repérer les zones dangereuses ou plutôt les zones d'atterrissage prévues que ce soit pour des attaques de green, que ce soit pour des mises en jeu ou des coups de progression. Et quand tu vois le parcours à l'envers, quand tu es du green et que tu vois vers le départ, et tous les pièges que l'architecte, euh, où il s'est cassé la tête pour ne pas dire autre chose, pour planquer tel ou tel bunker, et là, tu le vois, parce que là, il ne se casse pas du tout la tête pour le planquer dans l'autre sens. Donc ça, c'est intéressant de repérer, bah, tiens, effectivement, bah, en fait, ce bunker, euh, bah, il n'est absolument pas drivable. Donc c'est ce bunker que je dois viser. Big up pour ceux qui ont fait euh, le golf de Ronnie sous bois. Le trou numéro 1, votre drive, vous devez viser le bunker qui est au fond à gauche. Vous devez viser les immeubles de gauche. Si vous visez milieu de fairway, eh ben, un Ronny, ta balle, elle, elle arrive sur un ferro en dévers. Hop, super drive, tu es tout content. Elle va prendre la pente, elle va dégouliner côté droit et tes balles perdues ou sous les arbres. Donc, tu vois, euh, ben, par exemple, l'architecte de Ronnie, hein, pour ceux qui voient, hein, sinon vous allez me trouver ça, je ne sais pas quoi, vous allez le faire. Hein. Et big up quand vous passez de la part de Rina Golf là-bas, hein, j'y ai bossé. Hein. Hum. Et eh ben, ce bunker, en fait, est là pour que vous le visiez. Voilà. Donc, quand tu le fais à l'envers, c'est vraiment autre chose. Alors, qu'est-ce que tu dois. Euh, enfin, pardon, avec quoi tu y vas ben, Tu y vas avec ton putter pour juste un petit peu sentir quelques vitesses de green, euh, quelques pentes que tu as du mal un petit peu à lire. Mais tout ça, ça doit aller super vite. Il y en a qui se font chier à faire tout le dessin. Mais... Vraiment, en un coup d'œil, tu sais à peu près à quoi il ressemble et on est bon. Hein. Euh, tu dois y aller avec ton club repère, tu vois, pour vérifier que. Bah, et encore une fois, ça sera fait pour moi deux semaines avant, donc c'est juste pour faire quelques chips, tu vois. Mais il mais, euh, faudra trouver ton club repère le jour J. Et puis euh, tu y vas avec ton, ton sandwich, ou ton 56, si tu veux tester quelques sorties de bunker, tu vois. Juste comme ça, mais, mais tu joues pas, tu fais une reconnaissance de parcours là. Et puis tu vas me noter sur ton bloc-notes, si tu as envie de noter, de te prendre la tête, eh ben, les zones où tu dois faire atterrir ta balle au drive, les zones où tu dois faire atterrir ta balle sur un deuxième coup, et les zones que tu dois viser, et pas le drapeau le jour J. Oh là là, 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 là. oh mais padawan Bon alors, est-ce que vous êtes capable de me faire tout ça D'avoir une voiturette, de faire le parcours à l'envers, de ne pas faire un green fee, c'est-à-dire d'aller faire un score pour déjà vous user mentalement, et de, de faire ça deux semaines avant Bon bah je vais dire que vous êtes capable de vous êtes pas capable de le faire. Alors il avait raison, pas Bibi quand il disait ça sert à rien une reco Bah oui parce qu'il vaut mieux vous dire que ça sert à rien que de vous vendre un truc que vous pourrez jamais faire. Bah c'est ce que font les... les joueurs pro. Ils sont insistés de vous imaginez pas. Euh, J'ai vu à la Ryder Cup les mecs qui sortent un espèce d'assistant de Tiger Woods qui sort une boule d'acier qui la lance pour vérifier le rebond. Vous en êtes pas là mais pas et personne n'en est là. Et euh, moi, demain, je leur dis aux pros, bah, vous allez respecter le temps de jeu. Bah, ils vont tout de suite de même dire, bon, bah, allez, on va plus rien calculer tout ça, parce qu'on n'a pas une demi-heure à la deux-chambeau pour balancer une balle quand même. là. Hein. Bon, et puis, bah, vous me direz si jamais vous avez déjà ceux qui, font, euh, qui ont déjà fait des recos, si vous avez déjà fait une reco comme ça. Hein. Bon, après, peut-être c'est adaptable, c'est-à-dire que tu, tu vas juste suivre une partie. Mais encore une fois, si tu le fais la veille, c'est voiturette obligatoire. Si tu le fais une deux semaines avant. Tu vas suivre une partie, tu ne payes pas ton green fee comme ça parce que les golfs veulent les recos la veille, c'est une connerie. Euh, il faut dispatcher les recos quand ils veulent, comme ça tu n'as pas besoin un peu de bloquer ton golf le vendredi veille de tournoi. Tu vois, les membres, ils veulent faire leur parcours et c'est blindé de gus partout qui mesurent tout, euh, profondeur des bunkers, oh là là là, pff, qui se font déjà, qui essaient de repérer les marques où seront les drapeaux et et à faire des potes. Ah ouais, là, je, je l'aurais rentré. Et demain, il est au trou 1, il essaie de rentrer son premier pot. Allez, hop, trois potes au 1, c'est pour Rina, c'est cadeau. <laughs> bon, ça va, je vous éclairer un petit peu sur, le, sur le, la reconnaissance d'un parcours. Eh bien, écoutez, pouf je suis dans les temps, j'ai réussi à vous le caser en condensé. Vous serez peut-être obligé de m'écouter en ralenti, mais pas dawam. Hein. Je repasse un big up à tous ceux qui nous écoutent euh, ce soir, qui nous écouteront ce soir, ceux qui nous écoutent en podcast. Mmh. Ah, mais ça, c'est la boisson du jour. Hein. Moi, une fois que j'ai ma boisson, oh, ça pétille. Alors, attention, pétillage, pétillage. Qu'est-ce que je dois faire Oh, il y a de la question. Je vois ici. Je vais ouvrir ma boîte mail, mais pas la one. Hop, la boîte mail. S'ouvre, mais elle a toujours pas repris. Ah, ça y est, il fallait que je, je fasse envoyer/recevoir. pour on a de la question. Bougez pas, j'affiche le chat en même temps, en parallèle à vos questions. Oh, tout ça, c'est je commence à maîtriser un peu mieux avec Padawan. Hein. Ah, je suis plus à l'aise, club la en main. Ah, mais oui, je, je vous avais fait le petit style avec les, avec les cartes pour démarrer. J'adore manipuler les cartes. Quelle horreur ce truc! alors allez la question 1 et de jean-philippe scribe alors l'index d'un joueur ne devrait pas être dégressif s'il ne joue pas s'il ne joue en compétition que le même golf ou justement bonifié si on joue toujours des parcours différents alors à, à l'heure actuelle ton index euh, il va baisser ou vous monter en fonction du golf que tu joues. Après, évidemment, il ne tient pas compte, même si tu es sur un golf difficile que tu l'as joué 10 000 fois, et donc peut-être que toi, tu en connais les pièges, il va considérer que tu es tout le temps sur un golf difficile. Cela dit, donc, il n'y a pas vraiment d'influence euh, sur « je vais tout le temps sur un tel golf ou je, va, je varie », mais de toute façon, ton index baissera plus vite si tu fais des compètes partout. Bah, plus tu fais des compètes dans différents golfs, plus tu es prêt, plus tu es armé, à accueillir n'importe quel golfeur. C'est-à-dire qu'un bon golfeur pour moi, mon Jean-Philippe Scribe, c'est justement un golfeur qui n'a pas besoin de faire de reconnaissance. Euh, à l'heure actuelle, tu m'emmènes sur un parcours que je ne connais pas. J'ai des habitudes pour regarder le parcours, j'ai des habitudes pour pressentir les pièges. Donc, je lis pas un parcours comme je lisais à l'époque, même en faisant une reconnaissance. Donc, oui, je valide dans le sens où si vous faites plus de, de compétes dans différents parcours, vous baisserez de toute façon plus vite votre index que le joueur qui joue tout le temps sur le même. Voilà, question de Charles. Giro, big up à mon jeune padawan Charles. Vous allez me regarder sa chaîne. Alors, question est-il possible de réparer le shaft d'un fer euh, Globalement, si tu l'as tordu, c'est à peu près mort. Euh, parce que si tu le retors, ça a tendance à casser. Euh, mais après. Euh, il faut gérer son air, mon Charles, hein. comme ça, tu n'auras plus jamais à casser les clubs. Casser les clubs, euh, ça vous fait une demi-seconde, de, de vous allez souffler une demi-seconde et vous allez être vénère tout le reste de votre parcours. Et, euh, et ça fera plaisir aux fabricants qui vous refourgueront une série. Mais tout ça est conçu pour pas être réparable en général. Hein, parce que quand tu casses, bah, et, et à la limite, il faut que tu payes, n'aie pas peur. Hein. Euh, ça, ça t'apprendra, ça te donnera une leçon. Voilà. <laughs> Tout ça dans la bonne humeur. Hein bonne humeur, pardon. Allez, question de Jean-Christophe Marnière. Alors, pourquoi la semelle d'un club moderne est bien plus plate que sur les clubs d'il y a 30 ans en arrière, qui étaient plus arrondis euh, Il faudrait vraiment comparer, mais effectivement, à l'époque, les semelles étaient ultra tranchantes. Euh, je pense aussi que c'est juste qu'ils n'avaient pas les outils pour voir l'influence que ça avait, donc on faisait surtout que copier à peu près le voisin, euh, derrière est venu les, des ingénieurs, tu vois, des, des spécialistes de la balistique, des mecs qui ont peut-être bossé dans l'aéronautique, euh, dans l'automobile, et donc qui ont apporté chacun un petit peu leur savoir, et ça a fait évoluer les clubs de golf, euh, mais effectivement à l'époque, euh, bah, si tel pro, euh, je ne sais pas qui, Harry Varden, joue ses clubs, on considérait que c'était les meilleurs au monde et c'était fabriqué par Gaël, donc c'était un peu des copies. Euh, mais et encore, hein, je pense que les fabricants ont, ont prévu beaucoup plus d'évolution, mais quand nous, nous golfeurs, on n'est pas encore prêt à accepter, tu vois, comme les drivers carrés, des trucs comme ça où ça va tellement nous choquer. Euh, je prends l'exemple des hybrides, mais c'était sorti il y a 30 ans et ça a vraiment cartonné dans les années 2000. Voilà, allez, question de J. Jean JC Woody. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a alors, l'été, j'ai mon sac dans le coffre et quand j'ai le temps en déplacement à midi, je trouve un golf où je peux taper quelques balles. Est-ce que l'écart de température ont une incidence sur les clubs ah, J'ai quand même envie de te dire oui, là ça peut être une problématique. Alors, si tu habites dans le sud et qu'il va faire un 35-40 degrés club dans le coffre, euh, mon avis, ouais, ne serait-ce que pour les grilles, peut-être ça peut un peu abîmer un peu plus le sac. Donc, allez, je mettrai peut-être là un petit bémol, mais bon, tu les as avec toi dans le coffre, et ben, tu les emmènes au boulot avec toi. Voilà, je les pose là, c'est pour ma pause-déj. Qu'est-ce qu'il y a J'ai le droit de faire ce que je veux à ma pause-déj. Mais oui, méfiance si les conditions sont trop extrêmes. Le froid, à mon avis. Encore une fois, le, le plus à risque, ça sera le caoutchouc hein, du grip et peut-être votre sac de golf. Voilà, allez, une petite question de Mortal Pico. Mais c'est bien, j'avance vite. Là, il est 55, j'ai encore du temps. C'est bon, ça. Mmh. Alors, mon cher Mortal Pico, alors, question sur l'entretien des clubs de golf. J'attends ma nouvelle série. Ouh, toi, déjà, je t'annonce, hein, il fait un temps pour le 11 et t'as ta série. Tu vas y aller comme un dingue sur le parcours à 8 h du matin. Rain <laughs> pour tester ta nouvelle série. Hey, on veut savoir sur le, les commentaires ce que tu es allé acheter, là. On veut savoir ça, mon Mortal Pico. Euh, donc, euh, donc, il attend sa nouvelle série et je voudrais bien l'entretenir. Par exemple, j'ai des mini points de rouille. Euh, sur mes, mes anciens shafts acier. Alors les petits points de rouille, bon, c'est tout con, mais c'est quand vous séchez vos clubs, souvent vous, vous dites, bah, tiens, je vais sécher mes clubs, et vous les posez euh, soit à l'endroit, c'est-à-dire tête vers le bas, comme ceci, hop, Alors, merde, il faut que j'arrive à me voir, bon, tant pis, je considère que vous voyez bien, euh, et donc bah, du coup, en fait, les vapeurs d'eau de, ne s'échappent pas aussi bien et dans l'idéal je lui ai dit c'est tête à l'envers enfin tête euh, tête de club vers le haut et il faut que le shaft soit posé au sol pour pas que le trou soit bouché c'est pour ça qu'en fait tu as pris de la rouille encore une fois ça sera Quasiment que esthétique. À mon avis, ça ne changera pas grand-chose à ta performance d'avoir un club légèrement rouillé. Donc, euh, ça, tu n'as pas besoin de huiler comme les anciens putters de chez Scotty. Tu as surtout besoin, bah, quand tu as joué sous bonne grosse drache, de sortir tous tes clubs. Tu vois, je les pose un peu en éventail sur le sac. Les têtes sont en faites en contact avec le sac. Et comme ça, j'ai mes manches qui se prolongent et ça va le faire sans problème. Allez, une question de Gémassiak. Alors, quels sont tes conseils pour le choix d'une série marque etc ou purée ça va me prendre du temps ça on va déjà essayer de, de répondre peut-être là euh, ah, est ce que je fais ça en thème euh, mais allez, je vous l'ai déjà un peu dit allez je te le dis vite fait mais euh, la première règle c'est qu'il faut choisir un truc vraiment que tu trouves beau Nous, on va aller voir encore une fois les marques qui te plaisent euh, moi j'ai pris du japonais parce que euh, une fois que tu es sur une, des marques comme mura euh, sur argolf en général, en fait, tu es parti sur un objet d'art et tu as vraiment un attachement à tes clubs et euh, tu t'en fous après de tout ce qui existe à côté. Donc ça, c'est vraiment évidemment un avantage, mais il faut considérer que les clubs sont une œuvre d'art et pas juste un outil pour pouvoir jouer au golf à ce moment-là. Après, cherchez juste un outil, euh, la marque que tu préfères, euh, le modèle limite et puis tu, tu demandes encore une fois conseil à ton pro et surtout, n'hésite pas à essayer. Euh, et euh, l'essai, c'est vraiment le, le bruit que ça fait quand tu le tiens, euh, de voir la forme du club en réalité, euh, la sensation que tu as au contact d'une balle, ça va très très vite te décider sur quel modèle il te faut. Et puis, euh, pour être encore plus sûr, n'hésite pas, hein, tu me trouves un pro à double coup d'œil, jean J Swing, notre super partenaire qui, qui, nous fait, qui fait le live aujourd'hui, qui nous offre ce live avec nos, nos Jedi, et, euh, et tu dois être content. Euh, après, à quel moment une série, ça c'est pas une question que vous m posée, mais à quel moment on considère que sa série est obsolète Eh ben si vous me posez la question, je répondrai. Voilà. Allez, on a... Oh, oui, on a encore le temps. là. Waouh, merci Catherine pour séance balle. Wow, wow, wow. Et Catherine sponsorise depuis le début, c'est une dingue. Wow, wow. Big up à toi Catherine. Catherine, joueuse que j'ai formée au golf de Ronnie bois Alors, pour ceux, j'en ai déjà parlé, mais si vous savez pas, Ronnie Sousbois, ce que c'est c'est le neuf trou compact le plus dur de France. Oh, moi, je l'ai appelé comme ça, mais c'est vraiment euh, tout, tous les pièges possibles euh, par un architecte quand il dessine un golf, euh, bah, tu les trouveras à Rony de manière un peu miniaturisée. Donc, vous verrez, hein, si vous en parlez à vos potes qui sont des vieux golfeurs, euh, si tu dis Rony qu'ils l'ont déjà fait, normalement, les poils, ils vont se dresser, Tu vois, ils, vont, oh, ils vont avoir un petit un petit saut de cœur. Pourquoi tu parles de Rony parce qu'ils ont cru qu'ils allaient mettre une rooste à un petit neuf trous avec des parcades de 230 mètres. Et ils ont fait des croix dans tous les sens. Drive milieu de fairway, mal perdu. <laughs> ça, c'est Ronny, ça. Il ne <laughs> fallait pas viser le milieu de fairway, tu vois, le genre de piège. Euh, allez, je passe à la question de... Qui me reste, là Alors, attends, Mortal Pico, ça, c'est bon. Euh, OK, Jean-Christophe. Ah alors, Jean-Christophe Vanier, pour les amateurs, tu dis qu'il faut aller aux États-Unis pour passer pro. Est-ce que tu reproches quelque chose au pôle espoir français <laughs> ben, Je ne sais pas, je ne les connais pas vraiment en fonctionnement, les pôles espoirs français. Euh, moi, je vais juste faire le constat euh, que faire un, un, un joueur pro, il faut vraiment plus qu'un pôle, il faut vraiment tout un environnement, ne serait-ce que leur permettre de tout de suite parler anglais. Euh, et euh, voilà le plus simple et le plus efficace et c'est eux qui nous le démontrent en ayant un nombre de champions incalculable chez les Américains, c'est de les envoyer dans une fac américaine. Et euh, à part peut-être aussi, je pourrais dire en Corée peut-être, en Corée du Sud, mais euh, les Suédois, les Danois, tout ça, ils, souvent ils, dès qu'ils qu sont repérés, euh, je te, sûrement que leur fédé gère tout et, et ils sont envoyés aux États-Unis. Donc tu, tu vois, t'as des, des joueurs espagnols, l'ont fait aussi. Donc non, c'est vraiment que Là-bas, ils vivent, ils mangent golf, c'est-à-dire que je le dis beaucoup, mais sûrement que dans un sport étude comme on a en France ou un pôle espoir, l'aspect école est hyper drastique. Vous devez avoir tant de moyennes, vous devez faire tant. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça C'est peut-être des jeunes qui vont avoir le droit à deux heures de golf dans la journée que n'aurait peut-être pas quelqu'un qui fait l'école normale. Ben, aux États-Unis, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est tu manges, tu dors, tu respires golf. On comprend l'idée que tu veux être sportif de haut niveau. Euh, on donne, des, je crois, des diplômes euh, aux États-Unis parce que tu es sportif de haut niveau et parce que tu, tu représentes vraiment le maillot. Donc, euh, non, il n'y a pas à chipoter, je pense. Le plus efficace, ça sera ça. Alors, il nous reste comme question pour demain, une encore de Jean-Christophe Manière. Que faut-il d'après toi pour les garder en France Paf, je la lis. Une d'Audrey Pétier. La reco est-elle payante et dans quelles conditions et les horaires Et voilà les questions que j'ai notées. Sur ce, mes petits padawans, eh ben, nous, on va se retrouver demain. Ah, ah, tiens, vous voulez des points d'XP Je un peu mon rideau. Attention, ça va briller. <laughs> oh. ouais, Pur effet beau. Allez, je vous les offre. ces cadeaux, vos petits 10 000 points d'XP, mes padawans. N'oubliez pas de rester chez vous jusqu'au dernier moment. Euh, pas de folie. Nous, les golfeurs, on doit donner encore plus l'exemple envers tous les non-golfeurs. Et le bon exemple, quand on est sur le golf, est l'exemple carrément à l'opposé de gens cool et fun pour vendre le golf tout doucement, pour leur envoyer la petite graine du golf. Il n'y a pas encore assez de gens qui veulent le cadeau J-Swing, donc vous dépêchez d'aller sur le groupe J-Swing. N'oubliez pas, avec votre kit de survie pour passer Jedi, le gagnant aura le droit à sa découverte gérée par Bibi. Hein donc c'est Bibi qui se déplacera où tu viendras dans mon golf et tu vas assister à tout ça et je te, je te fais un cours magistral pour être un champion de la découverte. Allez, sur ce, je vous fais la bise et je vous dis au revoir.